Les mathématiques sont une des plus fines expressions de l'esprit humain. Elles ont été développées dans beaucoup de cultures différentes par des personnes observant le monde où elles vivaient, tentant d'y identifier ordre et cohérence, dans l'espoir de pouvoir prédire, peut-être de contrôler des événements futurs. Les mathématiques sont nées quand l'homme primitif ressentit le besoin de compter. Et elles ont évolué telle une langue écrite il y a 5000 ans, quand les concepteurs des premiers calendriers calculèrent le rythme des saisons. Des siècles plus tard, le savant de la Renaissance Galilée écrivait « Le grand livre de la nature se trouve toujours devant nos yeux, et la vraie philosophie y est écrite. Mais nous ne pourrons pas la lire sans avoir d'abord appris la langue et les caractères dans laquelle elle est écrite. Elle est écrite en langue mathématique, et ses caractères en sont les triangles, les cercles et les autres figures géométriques. » Plus prosaïquement, les plus anciens symboles mathématiques n'étaient pas des triangles et des cercles, c'était des entailles trouvées sur les tablettes d'argile babylonienne utilisées comme des calendriers, ou des pictogrammes ciselés dans la pierre sur les temples mayas. Avec le développement du commerce, le besoin de mesure et de comptage a suivi les caravanes et les bateaux sur les grandes routes commerciales. La mesure des terres, la géométrie en tire son nom, permettait d'ajuster les besoins en irrigation et de calculer les taxes en Égypte antique et en Mésopotamie. Tout en construisant des monuments, comme les grandes pyramides, dont ils orientèrent les faces précisément vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, les architectes égyptiens découvrirent des relations entre les carrés, les rectangles et les cercles. Dans l'Alexandrie antique, la géométrie et la trigonométrie servirent à mesurer la taille de la terre et sa distance au soleil et à la lune. Une avancée importante eut lieu quand les intellectuels grecs, tels Pythagore et ses disciples, ont traité des nombres et des figures géométriques comme de pures abstractions. Ces antiques jeux d'esprit ont créé les bases pour toute la technologie des temps modernes. Ce programme se concentrera sur certains des événements marquants des débuts de l'histoire des mathématiques. Grâce à des animations par ordinateur, nous visiterons le théorème de Pythagore, le nombre pi, et d'autres idées importantes qui conduisirent à l'invention du calcul infinitésimal au XVIIe siècle. Et nous les relirons à la vie au travers de séquences filmées, de manuscrits et de certains livres admirablement illustrés. La parution des éléments d'Euclide autour de 300 avant notre ère fut un tournant dans l'histoire de l'humanité. Cette remarquable collection de 13 livres regroupait une grande partie des mathématiques connues alors. Bien présentée, suivant un enchaînement habile et logique, elle représenta un accomplissement magistral qui influença la pensée scientifique pendant près de 2000 ans. Elle posa les bases de la méthode déductive, prouvant que l'homme pouvait découvrir des vérités mathématiques par pure déduction logique. À l'origine écrit en grec sur des rouleaux de papyrus, les éléments d'Euclide furent traduits dans beaucoup de langues et parurent dans d'innombrables éditions. En Extrême-Orient, les hindous du 7e au 12e siècle de notre ère développèrent, eux, leurs propres symboles mathématiques, y compris les chiffres indo-arabes que nous utilisons aujourd'hui. Dans les mains de mathématiciens comme Omar Khayyam, un nouveau langage de calcul prit forme, appelé maintenant algèbre, une version latinisée de son nom arabe. Grâce aux itinéraires commerciaux musulmans, cette nouvelle langue atteignit l'Europe, où elle remplaça le lourd système des chiffres romains. Il se combina plus tard à la géométrie antique grecque pour produire la nouvelle géométrie analytique de Pierre Fermat et René Descartes. Au cours des siècles, les mathématiques ont été un miroir des civilisations. Depuis des entailles primitives enregistrant l'enchaînement des saisons, elles se changèrent graduellement en une nouvelle langue grâce à ceux qui, au XVIIe siècle, observèrent et théorisèrent le mouvement des planètes. La forme écrite de cette langue s'organisa par des mots et des symboles représentant les nombres. On va voir l'évolution de ces symboles dans différentes cultures. Aujourd'hui, les nombres sont utilisés pour identifier toutes sortes d'activités humaines. Nous avons des numéros de téléphone, des numéros d'immatriculation, des numéros de sécurité sociale,
et des codes postaux. Ces nombres ne nécessitent pas d'arithmétique. Ajouter ou multiplier des codes postaux est d'une utilité douteuse. À un autre niveau, nous utilisons les nombres 1, 2, 3 et ainsi de suite pour énumérer les jours, les mois sur un calendrier. Il nous indique si un jour vient avant ou après un autre. L'arithmétique commence à jouer un rôle dès qu'on se demande combien ou quelle quantité faut-il. Les nombres enseignés aux enfants pour le comptage s'appellent les entiers positifs et s'écrivent ainsi. Ils ont été écrits également de beaucoup de façons différentes. Des clous tracés sur les tablettes d'argile babylonienne. Des marques à l'encre sur les papyrus égyptiens. Ici, des caractères chinois. Et là, les symboles utilisés par les Mayas. Les anciens Grecs ont utilisé les lettres de l'alphabet, lettres capitales à Athènes et lettres minuscules dans l'ancienne Ionie. Voici des chiffres romains. Ici, les symboles hérités des Arames. Là, des nombres binaires utilisés dans des ordinateurs. Et voilà des codes barres représentant aussi bien des nombres que toute autre sorte d'information. Après avoir appris à compter, les plus jeunes apprennent l'arithmétique simple. La somme et le produit des nombres entiers positifs est un nombre entier positif. La soustraction amène au zéro et au nombre entier négatif, qui n'était pas, soit dit en passant, utilisé par les Grecs. En fait, les nombres négatifs et le zéro sont devenus d'usage courant relativement tard, autour de 700 de notre ère. La division crée les fractions, appelées nombres rationnels ou rapports d'entiers. Les Grecs les ont écrits de cette façon, et en voici un exemple antérieur par les Égyptiens. Après avoir utilisé les nombres pour garder la trace de transactions pendant plus de 2000 ans, les gens commencèrent à spéculer sur la nature et les propriétés des nombres en eux-mêmes. Cette curiosité s'est développée en une sorte de mystique des nombres, ou numérologie, dont est sortie une des branches les plus profondes des mathématiques. La théorie des nombres apparut autour de 600 avant notre ère, quand Pythagore et ses disciples étudièrent les propriétés des nombres entiers. Ils savaient que des tonalités musicales pouvaient être reliées à des rapports de nombres entiers. Par exemple, cette tonalité à 440 vibrations par seconde est un octave inférieure à celle-ci, à 880 vibrations par seconde. Ils ont cru que tout dans l'univers entretenait un lien secret avec des rapports de nombres entiers. En découvrant ces secrets, toutes les choses s'accorderaient alors en une grande harmonie, la musique des sphères. Pour rechercher ces secrets, les pythagoriciens ont classé les nombres entiers de diverses manières. Les nombres pairs, ceux divisibles par deux. Les nombres impairs, ceux qui ne sont pas pairs. Les nombres premiers, plus grands que 1 et qui ne peuvent être factorisés excepté par eux-mêmes une fois. Euclide a montré qu'il y en a une infinité. Les nombres composés, plus grands que 1 et qui ne sont pas premiers. Les Grecs ont su que chaque nombre composé est un produit de nombres premiers. Les nombres premiers sont les premières pierres de l'édifice mathématique. Les Grecs auraient été stupéfaits d'apprendre que les nombres premiers un jour seraient utilisés en cryptographie et dans le codage et le décodage de messages envoyés vers d'autres planètes. Les Grecs ont aussi introduit les nombres parfaits, qui sont égaux à la somme de leurs diviseurs plus petits. Les deux premiers nombres parfaits sont 6 et 28. Les deux suivants sont 496 et 8128. Bien qu'Euclide ait su produire des nombres parfaits pairs, seuls quelques-uns d'entre eux sont connus explicitement, et en ce début de 21e siècle, on ne sait pas s'il y a un nombre parfait impair. Par arrangement d'objets comme des tuiles de mosaïque dans des modèles polygonaux, les Grecs ont lié nombre et géométrie. Ce diagramme illustre des nombres triangulaires, obtenus en arrangeant des objets pour former des motifs triangulaires. Les nombres carrés forment des motifs carrés. Voici les cinq premiers nombres pentagonaux et les cinq premiers nombres hexagonaux. Des siècles plus tard, Pierre Fermat a découvert un des mystères de la théorie des nombres.
Chaque nombre entier positif, 30 par exemple, peut être écrit comme une somme d'O plus 3 nombres triangulaires, 4 carrés, 5 nombres pentagonaux, 6 nombres hexagonaux, et ainsi de suite, indéfiniment. Un lien plus profond avec la géométrie provient du théorème de Pythagore. Dans n'importe quel triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. En d'autres termes, la somme des aires des deux petits carrés bleus est égale à l'aire du grand carré. Voici comment les Chinois ont prouvé ce théorème. Faites 4 copies du triangle original. Gardez une copie comme référence. Faites glisser maintenant les triangles. Observez les régions bleues. Et nous voyons que A carré plus B carré est toujours égal à C carré. Quand chacun des trois côtés d'un triangle rectangle est un nombre entier, on dit qu'il forme un triplé pythagoricien. En voici un avec 3, 4 et 5. Un autre, 5, 12 et 13. Un autre encore, 8, 15 et 17. Et il y en a infiniment plus. Les triplés pythagoriciens étaient connus longtemps avant l'époque de Pythagore. Cette tablette d'argile babylonienne écrite autour de 1700 avant notre ère contient 15 exemples de triplés pythagoriciens, certains des nombres étant très grands. Personne ne sait pourquoi les babyloniens se sont intéressés à ces triplés, et autant qu'on puisse le dire, ils ne connaissaient pas la forme générale du théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore apparaît dans les éléments d'Euclide, à la proposition 47 du livre 1. Cette figure arabe montre la preuve d'Euclide. Elle peut être clarifiée avec une animation informatique. Tracez une perpendiculaire de l'angle droit à l'hypoténuse et prolongez-la pour diviser le grand carré en deux rectangles. L'idée d'Euclide était de prouver que ce carré et ce rectangle ont des aires égales et que ce carré et ce rectangle ont aussi des aires égales. Et voici pourquoi. Tous les parallélogrammes de même base et de même hauteur ont des aires égales. Donc tous ces parallélogrammes ont des aires égales. Ainsi que ceci. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Ainsi nous voyons que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés. Toujours pas convaincu? Faites une copie du petit carré au milieu du grand. Coupez le long des côtés jusqu'au bord du grand. Et réarrangez les morceaux. Toutes les pièces du grand carré s'adaptent exactement à l'intérieur des deux autres carrés. Les pythagoriciens croyaient que tout dans l'univers, y compris les longueurs des segments, pouvait être relié à des rapports d'entiers. Cette croyance a été bouleversée quand ils ont calculé la diagonale d'un carré de côté 1. Dans ce triangle rectangle isocèle, chaque côté est de longueur 1. Ainsi, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse a pour longueur la racine carrée de 2. Les pythagoriciens ont été choqués d'apprendre que la racine carrée de 2 n'est pas un rapport de deux nombres entiers. Et voici pourquoi. Si la racine carrée de 2 est un tel rapport, alors un certain multiple entier de racine de 2 est un nombre entier. Prenez ce triangle rectangle isocèle et dilatez-le par les facteurs entiers 2, 3, 4 et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arriviez au plus petit triangle possible avec pour hypoténuse un nombre entier. Nous allons maintenant en trouver un plus petit avec la même propriété et voici comment. Tracez cet arc. Cette distance est un nombre entier et celle-ci aussi. Tracez cette perpendiculaire à l'hypoténuse. Ces deux angles sont égaux et ces deux côtés aussi. Et ces deux côtés aussi sont égaux car ils sont tangents à l'arc de cercle issu du même point. Ainsi, ceci est un entier et donc ceci aussi. Nous avons maintenant un triangle rectangle isocèle dont les longueurs de chaque côté sont des nombres entiers plus petits que le plus petit possible, ce qui est absurde. Ainsi, supposer que la racine carrée de 2 est rationnelle nous conduit à une contradiction manifeste. Par conséquent, la racine carrée de 2 est irrationnelle. Les pythagoriciens essayèrent de tenir secrète cette découverte. Selon la légende, le premier membre de leur culte, l'ayant rendu public, fut jeté à la mer. Les pythagoriciens n'arrivaient pas à accepter que la racine carrée de 2 fût un nombre. Mais personne ne pouvait nier que c'était la diagonale d'un carré.
Certains des problèmes logiques créés par la découverte des nombres irrationnels ont été résolus par une théorie ingénieuse des proportions, décrite dans le livre 5 des éléments d'Euclide. 22 siècles plus tard, ce livre de Hilbert revisite les bases de la géométrie et inaugure une nouvelle ère des mathématiques abstraites. Hilbert a montré que le théorème de Pythagore, qui a précipité le conflit antique entre l'arithmétique et la géométrie, joue également un rôle clé dans sa résolution. Ainsi, le théorème de Pythagore pour les triangles-rectangles est un repère important dans l'histoire des mathématiques. Tournons-nous maintenant vers un autre repère clé de celle-ci, qui a à voir avec les cercles. La circonférence de n'importe quel cercle vaut un peu plus de 3 fois son diamètre. Le rapport de la circonférence sur le diamètre est le même pour tous les cercles. Le rapport exact est une constante fondamentale de la nature, notée par la lettre grecque pi. L'aire d'un disque circulaire est un certain nombre de fois le carré de son rayon. Ce facteur est une autre constante fondamentale de la nature. Surprise, c'est le même nombre, pi. Pour voir pourquoi ceci est vrai, déroulez la moitié de la circonférence comme repère, divisez le disque en un nombre pair de tranches égales et réarrangez-les pour former une sorte de parallélogramme de même aire que le disque. En prenant de plus en plus de tranches, de plus en plus fines, le parallélogramme ressemble de plus en plus à un rectangle de base pi r et de hauteur r, et dont l'aire est pi r carré. Cette découverte profonde a été faite par Archimède, le plus grand mathématicien de l'Antiquité. Voici une autre méthode. Divisez le disque en anneaux concentriques, déroulez-les et empilez-les ainsi. Quand vous prenez de plus en plus d'anneaux, la pile ressemble de plus en plus à un triangle rectangle de base 2pi r et de hauteur r. Son aire, moitié de la base par la hauteur, est pi r carré. Pi est si fondamental que les gens essayèrent pendant des siècles de déterminer sa valeur numérique exacte. Les Babyloniens ont utilisé la valeur 25 huitièmes, ou 3,125. La valeur égyptienne était légèrement différente, 256 sur 81, ou 3,16. Une approximation de pi apparaît également dans la Bible. L'Ancien Testament décrit un bassin circulaire dans le temple de Salomon, 10 cubits de large et 30 cubits de tour. Si la distance autour est mesurée le long d'un hexagone inscrit, vous obtenez un rapport égal à 3. La première tentative systématique pour évaluer pi a été faite par Archimède. Il a obtenu des valeurs approchées en employant des polygones réguliers intérieurs et extérieurs à un cercle. Quand on compare le périmètre de cet hexagone intérieur à la circonférence du cercle, nous constatons que pi est un peu plus grand que 3. L'hexagone intérieur peut être dilaté d'un facteur 2 tiers de la racine carrée de 3 pour former cet hexagone extérieur tangent au cercle. Comparons encore les périmètres et nous constatons que pi vaut moins de 2 fois la racine carrée de 3. Archimède a continué à doubler le nombre de côtés jusqu'à ce qu'il ait atteint un polygone ayant 96 côtés. Il a finalement trouvé ces deux limites inférieures et supérieures pour pi. La limite supérieure 22 septième est encore utilisée aujourd'hui comme une approximation simple de pi. Pendant des siècles, différentes cultures ont raffiné la méthode d'Archimède en prenant un nombre de plus en plus grand de doublements. Les Chinois ont trouvé une fraction simple, 355 sur 113, qui donne 6 décimales de pi. Ils ont détenu le record du monde pendant plus de 1000 ans, jusqu'à ce que l'utilisation des chiffres arabes ait fourni des méthodes nettement supérieures pour faire des calculs. Les gens se sont demandé pendant longtemps si pi était une fraction exacte, comme 22 septièmes. Un rapport de deux nombres entiers, appelé un nombre rationnel, a toujours un motif répétitif dans son développement décimal. Par exemple, dans l'écriture décimale de 22 septièmes, le bloc de 6 chiffres 1, 4, 2, 8, 5, 7 est répété indéfiniment. Comme les gens calculaient de plus en plus de décimales pour pi, ils recherchaient ces périodes, mais aucune ne fut trouvée.
Finalement, au XVIIIe siècle, on a montré qu'aucune ne serait jamais trouvée. Ainsi, pi est un nombre irrationnel. Le mot trigonométrie vient de « mesure des triangles » en grec. Il apparut pour la première fois dans ce livre, écrit en 1590, mais l'histoire de la trigonométrie peut être retracée depuis l'astronomie antique. Comme on pensait que les planètes se déplaçaient sur des orbites circulaires, les premiers astronomes se sont intéressés aux cordes de cercle. Le mathématicien grec Hipparque, le père de la trigonométrie, a écrit 12 livres sur les cordes de cercle, autour de moins 150 de notre ère. Cet ouvrage est maintenant perdu, mais plusieurs de ses idées ont survécu dans l'Almageste, écrit par Claude Ptolémée environ 300 ans après. L'Almageste, avec les éléments d'Euclide, est un des grands chefs-d'œuvre produits dans l'antique Alexandrie, un magnifique centre de culture hellénistique, une ville fondée par Alexandre le Grand, après sa conquête de l'Égypte en 331 avant notre ère. Un chapitre de l'Almageste est un tableau de cornes de cercle. Ceci, aujourd'hui, s'appellerait un tableau des sinus. En trigonométrie moderne, les sinus apparaissent comme rapport de côté de triangle rectangle. Le sinus de l'angle T est le rapport du côté opposé à l'hypoténuse, et le cosinus de T est le rapport du côté adjacent à l'hypoténuse. La trigonométrie emploie ces rapports pour étudier les triangles rectangles. Après que le calcul infinitésimal soit devenu une branche des mathématiques, on a constaté que les sinus et les cosinus jouaient aussi un rôle fondamental pour analyser les mouvements vibratoires, le roulement d'une bille au fond d'une cuvette, l'oscillation d'une masse au bout d'un ressort, des vagues sur l'eau, des ondes sonores, des ondes radio et la théorie ondulatoire de la lumière. Tout ce que nous voyons ou entendons nous atteint par des ondes qui peuvent être analysées avec des sinus et des cosinus. Les mathématiques des sinus et des cosinus nous aident à mieux comprendre le monde où nous vivons. Les méthodes ingénieuses d'Archimède nous ont donné l'aire d'un disque circulaire, l'aire de la surface et le volume d'une sphère, et celle d'autres figures particulières. Le développement ultérieur de ces méthodes a dû attendre 18 siècles jusqu'à ce que la langue algébrique devienne une partie des mathématiques. Stimulé par l'invention de l'imprimerie autour de 1438, un changement lent mais révolutionnaire du développement des mathématiques a commencé au XVe siècle. Les lourds chiffres romains ont été graduellement remplacés par les chiffres indo-arabes, un symbole pour zéro a été créé, et la notation décimale est devenue commune. Pendant cette même période, de brillants mathématiciens italiens ont trouvé les solutions des équations algébriques de degrés 3 et 4. Cela provoqua une grande activité et encouragea l'adoption de ce nouveau langage. Deux savants français, Pierre Fermat et René Descartes, firent une contribution essentielle aux mathématiques du XVIIe siècle en introduisant les systèmes de coordonnées et en décrivant les figures géométriques avec des nombres et des équations. Par exemple, l'équation algébrique pour un cercle provient directement du théorème de Pythagore pour les triangles rectangles. Beaucoup plus tôt, autour de 200 avant notre ère, Apollonius écrivit un traité en 8 volumes sur les sections coniques, des courbes obtenues en coupant un cône avec un plan. Deux de ces courbes sont l'ellipse et la parabole. Quand ces courbes sont décrites par des équations algébriques, celles-ci contiennent les carrés des coordonnées, mais aucune puissance d'ordre plus élevée. Si vous négligez la résistance de l'air, n'importe quel projectile se déplace le long d'une parabole s'il est lancé en avant, vers le haut, et tombe sous l'influence de la pesanteur. Quand Johann Kepler analysa l'orbite de la planète Mars et développa ses lois du mouvement planétaire, il trouva que toutes les planètes se meuvent le long de trajectoires elliptiques. La géométrie analytique fournit un outil puissant pour décrire le mouvement des planètes et pour d'autres problèmes physiques.
Dans ce marathon intellectuel qui s'apparente plus à une course de relais vers le calcul infinitésimal, les mathématiciens étaient en compétition pour trouver une méthode générale pour calculer les aires et les volumes de figures courbes. L'idée grecque était d'approcher une figure courbe par des polygones inscrits. En essayant d'améliorer peu à peu l'approche, ils employaient un nombre croissant de côtés. Cette méthode grecque antique s'appelle la méthode d'exhaustion. La géométrie analytique a montré l'intérêt de cette méthode d'exhaustion et lui a permis d'analyser des problèmes d'air et de volume grâce aux équations algébriques. Ceci a conduit au développement graduel d'une nouvelle et puissante discipline, maintenant appelée calcul intégral. En même temps, les questions de vitesse, d'accélération et le comportement des quantités variables a conduit au développement d'une nouvelle branche des mathématiques, appelée calcul différentiel. Le calcul différentiel et intégral fut une combinaison d'idées provenant de nombreuses sources, avec Orem, Galilée, Kepler, Descartes, Fermat, Torricelli et Isaac Barrow qui a partagé ses idées avec Isaac Newton. Construisant sur les bases établies par ces pionniers, Isaac Newton et Wilhelm Leibniz achevèrent cette course vers l'analyse en une finale controversée avec photo finish. Voici une de leurs découvertes principales. Prenez n'importe quelle fonction et utilisez l'intégrale pour calculer l'aire sous son graphe. Ceci vous donne une nouvelle fonction appelée la fonction r. Calculez maintenant la dérivée ou le taux d'accroissement de la fonction r. Et voilà que le résultat est la fonction originale. Ce lien remarquable entre l'intégrale et la dérivée est devenu un outil inestimable faisant de l'analyse la langue commune de la science et qui inaugura une nouvelle ère dans l'histoire des mathématiques.